Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler du deuxième match du groupe B dans cette Coupe du Monde féminine en France en 2019 avec Argentine-Japon. Argentine-Japon qui s'est fini sur le score de 0 à 0. Match passionnant, non je déconne. Le Japon ne voulait pas gagner le match parce que... L'Argentine n'a pas forcément été une équipe extraordinaire dans cette rencontre. C'est pas Italie-Australie, on a vu une excellente Italie. Là, c'est vrai que le match n'était pas extraordinaire de la part de l'Argentine, mais le Japon maîtrisait totalement son match, mais ne se projetait pas assez à l'attaque et faisait de l'attaque trop placée, donc ça ne gênait pas du tout les joueuses de l'Argentine. Match d'une pauvreté technique, j'ai trouvé assez incroyable par rapport à ce que j'ai vu du côté de la France, du côté de la Norvège ou même d'autres équipes. J'ai trouvé que c'était d'une pauvreté technique. Ça manquait de beaucoup de choses. Ça manquait au niveau tactique, ça manquait un petit peu de tout. Donc on va aller assez vite pour débriefer ce match qui n'a pas été extraordinaire. Mais de toute façon, du côté du Japon, il faudra faire beaucoup mieux. En sachant que l'Écosse, pour moi, a fait un meilleur match, même en étant battue face à l'Angleterre. Et que l'Angleterre, là, nous a montré de très très bonnes choses lors du match, lors de leur victoire 2-1 face à l'Écosse. Et que pour moi, le Japon, vu ce qu'ils ont montré là, c'est derrière l'Écosse et c'est derrière l'Angleterre, assez largement même derrière l'Angleterre. Donc il va falloir faire beaucoup mieux du côté du Japon. Les top et flop, on commence du côté de l'Argentine. Ce que j'ai aimé du côté de l'Argentine, ce sont les contres. Alors des fois c'était un peu brouillon, ça c'est clair et net. Mais les contres allaient très très vite. Avec Banini qui a fait un très bon match, qui a porté cette vitesse qu'on avait besoin sur ces fameuses transitions, défense-attaque. Elle a porté vraiment ça, la joueuse d'Argentine. Et puis, oui, les contres, ça allait vite. Ça allait très, 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 très vite. Et moi, j'ai aimé ça parce que c'est ce qu'il faut quand vous avez une équipe qui est quand même une équipe d'expérience Japon. Si vous voulez la mettre en difficulté, c'est par la vitesse, c'est par de la justesse technique. Alors, quand vous n'avez pas la justesse technique, eh bien, au moins, mettez de la vitesse. Eh bien, c'est ce qu'elles ont fait, les joueuses de l'Argentine. Le jeu rapide également que j'ai apprécié du côté de l'Argentine, une, deux touches de balle, ça allait vite, on portait pas le ballon. On essayait d'apporter de la vitesse en faisant des passes et des passes plutôt de qualité, même si des fois il y avait des pertes de balles. Mais voilà, le jeu rapide, j'ai adoré du côté de l'Argentine, parce qu'encore une fois, comme je disais, pour faire des contres et pour mettre en difficulté une équipe qui est plutôt bien en place comme le Japon, il faut apporter de la vitesse technique, et c'est ce qu'elles ont fait les joueuses de l'Argentine, et c'est pour ça qu'elles ont été quelques fois, même si c'était assez rarement, dangereuse pour l'équipe du Japon. La solidarité en défense également, elles ont fait preuve d'une énorme solidarité en défense. Et ça, c'est important également, parce que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes malmené par une équipe, et ça sera, je pense, le cas de l'Argentine face à l'Angleterre, par exemple, eh bien, quand vous faites preuve de solidarité, quand tout le monde se met à défendre de manière coordonnée en plus, eh bien, c'est très difficile pour l'équipe adverse de marquer et de trouver des ouvertures. C'est ce qui est arrivé du côté du Japon, qui en plus n'a pas fait énormément d'efforts de toute façon dans ce domaine-là. Mais voilà, la solidarité en défense importante de la part de l'Argentine, ça, c'est ce que j'ai apprécié et j'espère retrouver ça lors de leurs deux prochains matchs du côté du groupe D, parce que ça leur permettra peut-être d'être la surprise de cette Coupe du Monde. Ce que j'ai pas apprécié du côté de l'Argentine, le manque de réflexion. Sur les contres, des fois on manquait un petit peu de réflexion, des fois il aurait fallu attendre un petit peu. Et c'était ça qui manquait du côté de l'Argentine, de la réflexion sur les actions. Des fois on voulait aller trop vite, alors qu'on n'a pas la maîtrise technique pour le faire du côté de l'Argentine. Donc des fois il faut prendre son temps. Et puis des fois les joueuses prenaient trop leur temps sur d'autres actions, alors qu'il fallait aller vite pour gêner cette défense japonaise qui avait le temps parfois de se replacer. Puis des fois il y avait des centres qui étaient mal réalisés ou qu'il n'y avait personne à la surface de réparation. Donc voilà, c'était pas toujours juste au niveau de la réflexion en attaque du côté des joueuses de l'Argentine. Les relances, qu'elles ont eu du mal à sortir de leur camp, les joueuses sud-américaines pendant cette rencontre. Ça a été complexe.
vraiment de sortir de son camp. La défense qui était vraiment la ligne défensive, je pense, c'est pas la meilleure au monde, très clairement. Et au niveau des relances, il y avait des pertes de balles trop rapides, dues à des erreurs dans les passes ou à du manque de communication entre les joueuses. Ça, c'est dommage à ce niveau-là de la compétition, même si on sait que du côté de l'Argentine, c'est pas facile avec très peu d'argent du côté du football féminin. Mais voilà, on aurait aimé un peu plus d'action au niveau des relances, un peu plus de justesse au niveau de ces relances. Ça leur aurait permis peut-être de marquer ce but et de créer encore une plus grosse surprise que déjà ce point récupéré face au Japon. Le manque de soutien du côté de l'attaque. Ouais, ça manquait de joueuses qui attaquent. Alors je pense que c'est aussi dû physiquement, avec le fait qu'elles aient eu très très peu de ballons, hein, moins de 30% de possession de balles. C'était pas facile pour les joueuses sud-américaines, mais voilà, manque de soutien. Puis des fois, le soutien qui n'était pas bien placé. Bon, ça, voilà, leur attaquante de pointe, là, qui était souvent mal placée ou un peu trop juste physiquement. Donc voilà, c'est dommage de ce côté-là, du côté des joueuses de l'Argentine, mais on espère qu'elles arriveront à marquer pendant cette compétition. C'est un rien qui leur manque pour aller marquer des buts. On passe du côté du Japon. Ce que j'ai aimé du côté du Japon, la sérénité. Beaucoup de sérénité dans le jeu du côté du Japon. C'est-à-dire, elles n'ont jamais été mises en difficulté, même quand l'Argentine a fait quelques accélérations dans leur défense. Elles n'ont jamais été prises de court, elles ne se sont jamais énervées, peut-être un peu trop calmes, même les joueuses du Japon pendant cette rencontre. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand elles affronteront des grosses équipes. Bon, après, on le sait, hein, le Japon, c'est une équipe qui a beaucoup de sérénité. Vice-championne du monde en 2015, championne du monde en 2011. Les japonaises qui ont de l'expérience au niveau du haut niveau également, ces joueuses là voilà, beaucoup de sérénité dans le jeu japonais, donc on sent qu'il y a une maîtrise technique dans cette équipe. La possession, ce qui va également avec la sérénité, les japonaises qui ont eu beaucoup de fois le ballon, 72% de possession de balles. Bon, après, c'est dommage qu'elles n'en aient pas fait meilleur usage pendant la rencontre au niveau offensif, mais au moins ça a permis à leurs adversaires de ne pas avoir beaucoup de balles offensives, de ne pas pouvoir faire beaucoup d'actions offensives parce qu'elles manquaient de munitions, les joueuses de l'Argentine, alors que du côté du Japon, et ben voilà, ça marchait bien de ce côté-là au niveau de la possession de balles, ce qui permet également d'annihiler les offensives adverses. Ce que j'ai pas aimé du côté du Japon, le mouvement, le manque de mouvement, le manque de... Vraiment, il n'y avait rien, quoi. Les joueuses restaient en position fixe. Alors, l'Argentine n'a pas fait beaucoup d'efforts pour défendre parce que... Alors, il y avait beaucoup de passes hein, du côté du Japon. Je crois qu'on est à 699 passes pendant le match. Malgré tout, voilà, quoi. Il n'y a aucun mouvement de déplacement. Il n'y a aucun jeu sans ballon du côté des joueuses du Japon. Donc, vous ne pouvez pas trouver l'ouverture dans ce genre de conditions. Il va falloir proposer beaucoup mieux face à l'Angleterre, qui est une défense qui est très bien placée. Sinon, ça va être très compliqué du côté du Japon. Ça manquait de mouvement, beaucoup de mouvement et de créativité également. Ça, c'est également le deuxième gros manque du côté du Japon, la créativité. Bien inférieure à d'autres équipes, c'est-à-dire qu'on a un schéma de jeu, on respecte le schéma de jeu. On ne va pas tenter de faire un petit peu de variété, un petit peu d'improvisation dans le match. Non, on respecte le plan de jeu. Et quand le plan de jeu n'est pas bon ou ne fonctionne pas, c'est aussi aux joueuses de trouver des solutions autres dans le jeu. Et là, elles ne l'ont pas fait, les japonaises, et c'est bien dommage. Elles sont restées dans leur plan de jeu. Alors, très sérieux, ça c'est vrai que c'était très sérieux. Défensivement, c'était très sérieux. Mais le problème, c'est quand vous voyez que du côté de l'Argentine, il n'y a que très peu d'attaques, bah, les latérales, il faut qu'elles montent. Sauf que les latérales étaient tout en bas. Donc, il n'y avait pas beaucoup de surnombre. En plus, elles étaient sur un tout petit périmètre, les joueuses du Japon. C'est-à-dire qu'elles jouaient tout à droite pendant toute la rencontre. On a fait que la moitié du terrain du côté du Japon. C'est-à-dire qu'on a très, très peu utilisé la partie gauche du terrain du côté du Japon. Et ça, c'est quand même assez incroyable pour une équipe qui est vice-championne du monde. L'envie également, je finirai là-dessus. J'ai trouvé que le Japon manquait d'envie. Elle n'avait pas envie de gagner. Ça va aussi avec le reste, hein, avec le manque de mouvement et le manque de créativité, mais je pense que c'est mentalement. Il n'y avait pas l'envie vraiment de faire un gros match hier face à l'Argentine. Ouais, elles sont contentées de pas grand-chose. Les joueuses du Japon, c'est bien dommage pour une équipe qui a des capacités incroyables.
Peut-être c'est dû au fait qu'elle soit rentrée tardivement dans cette compétition. Elle fait partie des dernières équipes à débuter leur Coupe du Monde. Mais voilà, il n'y avait pas l'envie de faire mal à l'Argentine. Donc voilà, elles se sont contentées de leur petit match, de leur petit, de leur petite passe, de leurs petites interactions entre joueuses. Mais il n'y avait pas envie de faire mal à cette équipe d'Argentine. Il y avait un manque, vraiment un manque cruel d'envie de réaliser une belle rencontre, je trouve, du côté du Japon. Les top joueuses. Alors, j'ai pas mis de joueuses japonaises parce que pour moi, comme elles n'ont pas joué leur rencontre, elles sont passées un petit peu à côté. J'ai décidé de me concentrer, de me focaliser sur les joueuses de l'Argentine qui, pour moi, ont réalisé un demi-exploit quand même de prendre un point. C'est la première fois qu'elles marquent un point, même en Coupe du Monde, parce qu'en 3 participations, pour le moment, 6 matchs de Coupe du Monde, elles s'étaient fait battre à chaque fois. Donc, belle performance du côté de l'Argentine. Moi, la joueuse qui m'a impressionné, c'est Estefania Banini, celle qu'on surnomme Messi, la Messi un petit peu au féminin. Elle a été hyper dangereuse, elle a créé beaucoup de mouvements, joueuse très technique, qui a de la percussion, qui a fait mal à son homologue japonaise de l'autre côté du terrain. Donc voilà, vraiment un bon match, qui est juste également, je trouve, techniquement, qui a de la réflexion. C'est peut-être la seule joueuse du côté de l'attaque qui vraiment passé le ballon au bon timing. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle du côté de Estefania Banini. Et il faut que l'Argentine la garde et essaye de faire fructifier cette joueuse au maximum. Parce que voilà, c'est une joueuse qui a beaucoup de potentiel technique. La joueuse que j'ai pas aimée du côté de l'Argentine, c'est Reymes. Beaucoup trop de déchets pour cette joueuse. Voilà, il y a eu beaucoup trop de déchets. Elle a eu pourtant des ballons intéressants, mais elle n'a pas su quoi en faire. Certes, elle était isolée à la pointe de l'attaque, mais il y a des pertes de balles qui ne sont pas justifiées, vu que les joueuses japonaises ne montaient pas rapidement sur elle non plus. Puis j'ai trouvé que physiquement, elle était un petit peu dans le dur, à partir de la 70e minute, un petit peu cramasse. Reymes, il va falloir améliorer ça pour les prochains matchs du côté de la joueuse de l'Argentine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On continuera ces vidéos sur la Coupe du Monde, FIFA Women's World Cup 2019 en France. On parlera dans la suite de la journée, ou je sais pas demain quand ça sera uploadé, du match entre le Canada et le Cameroun, qui n'a pas été beaucoup mieux techniquement. Et puis on parlera également du match entre les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, et également de l'entrée en lice des États-Unis, qui va entrer en lice aujourd'hui à 21h. Voilà. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.